Coucou, petite vidéo, petit retour de course de chez Lidl. Je voulais pas sortir ce matin et puis je dis oh, après tout, parce que demain j'ai ma livraison HelloFresh. Vous savez, j'ai des repas qui vont arriver à cuisiner. Donc je dis oh, qu'est-ce que je fais? Je vais en course, je vais pas. Et puis bon, j'ai dit allez hop, je vais sortir un petit peu, ça va me faire du bien. Bon, je suis bien cadrée là, oui. Faut que je fasse attention si je suis bien cadrée parce que sinon, oula. Donc, je vais vous faire mon petit retour de course qui n'est pas si grand que ça, mais j'en ai quand même pour 70 euros. Hein. Donc, j'ai repris un gros truc. Alors, j'étais chez Lidl. Hein. Je voulais aller chez Leclerc. J'avais dit à mes amis, oui, j'irai aller chez Leclerc parce qu'il y a des tickets, vous savez, pour avoir des boîtes en plastique, je sais pas quoi. Mais j'ai dit, non, je ne vais pas chez Leclerc ce matin, je verrai ça la semaine prochaine. Et donc, j'étais chez Lidl. Je me suis pris un gros rouleau de sopalin comme ça. Comme ça, je vais être tranquille parce que j'en ai toujours besoin du rouleau comme ça. Donc, là, puis il fait chaud en plus. Là, il fait bien chaud là. Alors, le gros rouleau de champignons. Gros rouleau de champignons, oui, c'est ça. Le gros rouleau de sopalin. Bah ça commence bien. Essuie-tout, voilà. 3,99. 3,99. Ça, j'ai pris ça, c'est pour emmener au loto. Je vais au loto vendredi soir et samedi soir. Donc, j'ai vu qu'il y en avait 13 dedans, 15 pièces. J'ai dit, ça doit le faire. Donc, j'ai emmené, c'est parce que oui, je reprends les lotos là. Il y en a vendredi soir et samedi soir, donc je vais y aller. Donc j'ai pris ça pour aller au loto samedi. Alors ça c'est des quoi? Ça c'est des Nutella, je sais pas quoi. Nutella ready 4,29. 4,29. Je me suis repris du café. Hein. Alors là ils ont remis ces boîtes là. La dernière fois c'était des boîtes carrées, là c'est des boîtes rectangles. Donc ça va être 3,90 ou un truc comme ça, 3,95, je ne sais plus. Le café. Non, c'est 3,22. Je dis des bêtises. C'est 3,22. Je me suis repris 2 kilos de gros sel parce que j'ai racheté du vinaigre. J'ai racheté 12 bouteilles de vinaigre que je vais vous montrer bien sûr, mais 12 litres de vinaigre. J'ai repris du gros sel pour ferme toujours mes désherbants parce que j'en passe tout assez souvent là pendant qu'il fait beau. Donc le gros sel, alors le vinaigre d'alcool il est à 48 centimes la bouteille, j'en ai pris 12. Le gros sel il est à 49 centimes le paquet, le kilo, donc c'est déjà pas mal, c'est bien. Je me suis pris deux concombres. Il me faisait envie. Je crois qu'ils n'étaient pas si chers que ça, les concombres aujourd'hui. Des concombres, ils étaient à 79 centimes pièce. Bon, j'ai pas pris grand-chose parce que comme je sais que j'ai des repas qui vont arriver demain, trois repas pour deux, c'est trois repas pour deux, mais je peux faire trois ou quatre repas sur chaque. Donc ça, si je vais pas en prendre de trop quand même, mais j'ai pris de façon à ce que j'ai quand même quelque chose. Je me suis pris des champignons, je les trouvais super beaux. Voilà, ils sont très gros. Pour me faire ça en vinaigrette. Alors, c'est un paquet de 400 grammes. Excusez-moi. 400 grammes de champignons pour 1,99. Excusez-moi, je suis un petit peu fatiguée. Je me suis pris des petites grenailles comme ça. Je vais me faire cuire ça à la vapeur là. J'adore ces petites patates là. Ces petites pommes de terre. Je vais me les faire. Je vais m'en faire quelques-unes là pour aujourd'hui. Où c'est que c'est ça? Où c'est que c'est où c'est que c'est un pomme de terre grenaille 2,29 et c'est un paquet de
d'un kilo. Je sais même pas combien il y en a. Un kilo. Ouais. Oui, on est mercredi, hein, on est mercredi 23. Mais ben, je devrais être remise quand même de mon retour de baptême, mais ben, je suis encore fatiguée. Puis hier, j'étais pas bien, je me suis couchée à peu près toute l'après-midi. Donc, j'ai eu un petit souci qui est passé, mais je sens que je suis quand même un petit peu encore fatiguée. Donc, je me suis pris aussi des citrons, parce que ça, j'aime bien avoir des citrons à la maison. Des citrons. Des citrons, 500 grammes, 1,49. Excusez-moi, mais fou. Ben, ça faisait longtemps, je m'en suis racheté un petit pot comme ça et je me suis racheté des petits chèvres comme ça. Alors, les petits chavroux, enfin, moi j'appelle ça les petits chavroux, c'est une sous-marque, hein, c'est un petit fromage de chèvre. Alors, les crottins, ils sont à 1,79. Les deux petits crottins et le fromage de. Alors, fromage de chèvre, 1,42. 1,42, ça. Voilà. Ensuite, je me suis pris une petite crème fleurette, comme ça j'aime bien en avoir, surtout que là elle est bonne jusqu'au mois de septembre, jusqu'au 14 septembre, donc je trouverai bien quelque chose à faire, puis on a toujours besoin de toute façon. Donc j'ai pris de la crème fraîche. Crème fraîche, où elle est? Je viens de la voir en plus. Crème fraîche, fleurette 1,71. J'ai pris 6 litres de lait à 1 euro la bouteille de lait du demi-écrémé. Je me suis pris une bouteille d'huile d'olive. Alors, c'est 75 centilitres. Bon, ça me semble grand pour 75 centilitres. Mais bon, moi j'aurais dit ça à 1 litre, mais c'est. Alors, ça par contre, c'est pas donné. 6,57. Oh, j'ai pas pris la plus chère hein, parce que alors ce jambon là est revenu à Lidl, j'adore ce jambon donc j'en ai repris jambon cuisiné à l'os, il n'y en a que deux tranches mais j'aime bien. Alors le jambon il est à 2,49 les deux tranches. Je me suis repris une douzaine d'œufs, je vais les mettre à côté là. Alors, les œufs, eux, ils sont à 2,77. Alors, ça faisait longtemps que j'en avais mangé, mais bon, j'ai dit là, j'en mange un petit peu. C'est un petit pot de 300 g du museau en vinaigrette, du museau de porc. Le museau de porc, il est à. 1,99. J'ai pris un petit melon. Un petit melon qui fait son poids quand même. 1,49. Un melon charentais. Je me suis pris des framboises. Je me suis pris des groseilles. Et je me suis pris des myrtilles. Ça, c'est bon. Alors, les framboises, 1,99. Les groseilles, 1,99, les myrtilles 2,99. Je me suis pris aussi des poires pour changer un petit peu. Un paquet de. Ça doit être un kilo aussi, ça. Poire nette, un kilo, oui. 2,49. Voilà. Ça c'est fait, ça c'est fait. Alors, je ne trouvais pas les petits déj, donc je suis tombée là-dessus. J'ai dit, je vais prendre ça, des petites briochettes aux pépites de chocolat.
Il y en a, je sais pas combien dedans. 12. 12 briochettes. De 36. Je me suis pris un... Bon, ça pour mettre dans les toilettes. Hein. Je ne vais pas vous faire un dessin. Hein. Alors ça, c'est... Bloc océan 2, 37. Je me suis pris du PQ, ça je ne vais pas vous le montrer, hein, ça ne sert à rien. 3,52. Et je me suis pris de l'eau de Javel pure, comme ça, parce que je vous avais dit que j'en avais besoin. J'ai pris 3 berlingots de Javel et c'est 1,25 les 3 berlingots. Voilà. C'est tout ce que j'ai pris, je m'excuse. Hein. C'est tout ce que j'ai pris à Lidl. J'ai pas pris grand chose, mais bon, c'est toujours des petites choses qui vont me servir. Et puis je vous dis, demain je vais avoir mes repas. Je me rappelle plus ce que ça va être, mais je vais encore. Là, j'ai fini de vous publier toutes les recettes que j'avais faites jusqu'à maintenant. Donc là, je vais avoir 3 recettes à vous filmer, mais je vais peut-être pas vous les mettre à la suite parce que ça vous plaît moyennement. J'ai remarqué, il y en a, ça plaît, c'est sûr, mais c'est moyen quoi. Et puis, je vais essayer de vous faire un petit tuto de quelque chose. Je ne sais pas encore quoi. Je vais voir. Il faut que je vous fasse aussi mon petit résumé du baptême. Bon, alors, je vous dis franchement, je n'ai pas trop filmé parce que je ne voulais pas filmer. Il y avait beaucoup de gens. On était quand même 60. Donc, je vous expliquerai ça. Je vais vous faire... Peut-être que je vous le mettrai dans mon blabla du samedi. Je vous mettrai la table. Ça, la table, je l'ai filmée. J'ai filmé 2-3 petites choses, mais je n'ai pas voulu tout filmer parce que je ne voulais pas vous montrer les personnes, ce qui est normal, c'est normal. Mais je vous expliquerai ça samedi dans mon blabla du samedi. Voilà, du samedi ou du vendredi ou du dimanche, hein, ça dépend comment je vais être luné. Voilà, alors c'est tout ce que j'ai à vous raconter là. De toute façon, c'était juste mon retour de cours, je ne vais pas vous faire un blabla aujourd'hui. Je vais ranger ça. Je sens que je vais encore me reposer un petit peu. Ne vous inquiétez pas, je suis pas malade. Hein. C'est juste que hier, j'étais vraiment pas bien. Je ne sais pas, ça devait être la chaleur. Le retour du contre-coup du baptême, quoi. Et puis, j'ai mangé 2 tomates, ce qu'il ne fallait pas. Voilà. Donc, vous savez tout. Hier j'avais envie de me faire une petite salade de tomates, j'en avais encore des tomates et j'ai dit ah, je vais me faire une petite salade de tomates. Oui, et ben j'aurais mieux fait de me tenir tranquille. Hein. Donc sur ce, je vous fais un gros bisou. Je sais, il faut retirer les pépins, il faut retirer la peau, mais j'avais trop envie de les manger, ça me faisait trop envie. Voilà. Donc là aujourd'hui ça va être sûrement la diète. Enfin la diète, je vais manger un petit peu quand même, boire, parce que ça il faut boire. Mais. Voilà, donc je vous fais un gros bisou. Je pense que je vais vous mettre cette vidéo là pour midi. Là, il est quelle heure? Il est 11h05. Ouais, je vais vous mettre cette vidéo là pour midi. Et puisque j'ai pas grand chose à vous montrer là, et puis voilà. Donc, je vous fais un gros bisou. Et puis, et ben à la prochaine vidéo. Allez, bisous.